Tous les dimanches, 13h Montréal, 19h Paris. Sur Truck Radio. C'est pas une fête congolaise. Et on est en contexte encore, on appelle le père de Goofy qui va annoncer qu'il a un petit-fils qui arrive. Et le père de cette fille-là est de Lino, le Lino qui est ici dans le studio ici avec nous, qui va jouer le papa qui veut une donne absolue. Donc on appelle tout de suite le père de Goof. On parle de 30 000 au moins là. Ah ouais, ouais, non, ouais, mets ça bien là, genre. Ah ok, on est parti. Vous êtes deux, tu commences Goof. Ouais. What news? Hey, what's up? Ça va bien? Hein? Bonne fête des pères? Oh, ça va pas bien. Comment ça? Hein? Comment ça? Je voulais aller au carnaval à Toronto, je t'ai pas payé. Ah, ben écoute, on dirait que tu vas être encore moins en mesure de payer, là, j'ai On dirait que tu vas être encore moins en mesure de payer, là, parce que je vais avoir besoin de quelques dollars. Tu vas me payer le billet? Non, non, je vais pas te payer le billet. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent. J'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent, mais je vais avoir besoin d'une aide, une petite aide, là, parce que j'ai un monsieur, là, ici, que... Ben, je voulais pas qu'il te parle, là, mais depuis tantôt, il arrête pas d'insister pour... Donne-moi le téléphone tout de suite, là. Tu vas comprendre. Ok, parle avec Lita. Écoutez-moi bien, messieurs. Je vais me présenter maintenant, même au moment qu'on parle, là. Est-ce que vous me connaissez déjà? Allô? Hello? Hello? Oh, can you put my dad on the phone? Yeah, I will put him on the phone. He doesn't want to talk to me. Yeah. Allô? He wants to talk to you. What? Allô, monsieur, bonjour. Hey. Bonjour. Who is it? C'est un arabe. Non, non, c'est pas... Il est muslim. Guy. Non, je suis pas arabe, je viens du Congo. Oh, non, c'est un congolais. Ouais, parce que... Parce que j'aurais eu, ben j'ai comme une petite aventure avec sa fille et puis, ouais, j'ai eu comme j'ai eu une petite aventure avec sa fille et puis disons. Hey, hey, vous êtes combien dans cette maison là? 50? Comment? Ben on est juste deux là. Trois avec la copine. À qui je parle là? Mon nom c'est Monsieur Mpanja. Monsieur Mpanja. Exactement. Comment ça va? Je vais pas très bien, monsieur. Je vais être très poli. Ouais. C'est-à-dire que votre enfant là, le Goofy Weldon là, il est venu, au lieu de Well, il a donné ma fille. Il a mis enceinte sans ma permission. Mais là, ben, j'avais sa permission à elle. Tu n'as pas ma permission. Tu aurais dû m'en parler avant. J'allais dire non. Là, c'est trop tard. Combien tu as besoin pour la dot hein? Ça tombe bien que vous connaissez un peu la culture africaine. Monsieur, mais c'est pas quelque chose de très rigolo parce que je suis très fâché. Ma fille, elle avait un avenir. Elle pouvait être médecin, gynécologue, elle pouvait être même astronaute. Là, votre fils, il a fait ce qu'il fallait pas faire. Donc il là, a maintenant, mis enceinte. Il a mis enceinte. Avec son ventre là est grossi son ventre là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dedans, mais son ventre de ma fille est devenu gros comme ça. Là, elle peut presque pas marcher. Elle va coucher bientôt. Et là, il faut mariage avant que le bébé vienne. Hein. Il faut respecter ma culture. Ben là, oui. Ouais. Là, combien tu veux pour la dot? 50 000? Ben là, il parlait de peut-être 30, là. Mais je pense qu'on pourrait être correct avec 15. Non, il n'y aura pas de 15. C'est 30 000. Amende de 20 000. Donc, ça fait 50. Seulement 30 000? 50. 30, normalement, j'aurais demandé 30 000. Mais là, comme il a mis ça sur ma permission, je lui mets une amende de 20 000. Ben, je peux te présenter. Mm-hmm. Ben, son nom à elle, c'est Sarah. En fait... Est-ce que je dois parler? Ben oui, il va falloir. Ben si je veux qu'il laisse 30 000, faudrait au moins que tu lui dises bonjour. Ben bonjour. Ben je suis la femme enceinte. Du coup, c'est dommage. J'aurais pas aimé vous parler comme ça, mais voilà. Ma fille est victime de Goofy Weldon. C'est qui parle là? C'est ta fille? Oui, ça c'est ma fille que je vous présente là. Elle avec le gros ventre là. J'ai dit pas aux toilettes, mais c'était pas ça. Mais je pense pas que c'est Goofy avec ça. Bah, c'est très très sûr que c'est lui, hein? Par contre. Pourquoi vous pensez que c'est pas lui? Il a une bonne éducation. Ah! En tout cas, quand il est rentré ici chez moi, là, il a laissé son éducation dehors parce qu'il a fait ce qu'il fallait pas faire.
Donc au moment qu'on parle là, il doit donner 30 000 plus 20 000 d'amende, en total de 50 000 dollars. Si vous donnez 51, il n'y a pas de problème. Ok, dis-lui dans les 100 000 que je lui ai prêté là, qui te donne 50 000 là-dedans. Hein? Vous l'avez prêté 100 000 dollars? Il vient ici, non. Il mange, il demande l'argent encore, donc vous l'avez déjà donné l'argent. Donc votre fils Rasta là, il est entré dans, il est dans des choses bizarres. Parce que je ne le vois pas avec d'argent ici. Il vient, il mange, il ne veut pas donner la dot. Goofy, franchement. Non, ben il m'a pas donné, il m'a donné à peine 500 piastres à un moment donné. Là, c'était pas, ils ne m'ont pas donné 1000 piastres. Non, non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Papa, comme toi, c'est pas la peine de... Non, Goofy, je vais t'arracher tes cheveux là. Je vais arracher tes dreads là. Calme-toi, papa, c'est pas la peine de t'énerver. Calme-toi. En tout cas, ben, c'est pas super drôle, mais... Non, tu l'arraches pas, tu le coupes. Comment t'envoies le monsieur couper mes cheveux? Fait que... Comme Goofy, tu vas te faire couper les graines. Mais comment qu'on va s'arranger pour... Oui, allô, le téléphone, allô. Allô. Oui, je suis le frère du papa de la fille qui est ici là. Je trouve cette conversation pas très sérieuse depuis tout à l'heure. Vous êtes là, vous rigolez, vous êtes dans les rigolements. Ma fille, elle est ici, ma nièce est ici, elle a mal, elle est fatiguée. Vous êtes dans les rigolements. Moi, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Vous pensez que c'est des blagues? Vous pensez que chez nous? Non, attendez, monsieur. Quand je m'exprime, attendez, j'ai quand même 75 ans. J'ai 75 ans. Je suis quelqu'un de responsable. Non, attendez. Donc moi, les gens qui sont là, qui rigolent depuis tout à l'heure, que bon, que les rigolations, tout ça. Non, je n'accepte pas ça. Votre fils est ici, il est là devant nous. On parle de dot, c'est les vraies choses. Vous êtes là, vous rigolez. En tant que personne que vous... Non, attendez, non, je n'aime pas ça. Tu n'as qu'à faire virement interact. Virement. Mon ami, virement interactionnel, toi, je ne connais pas. Je sais où est-ce que t'habites, hein. Goofy va rester ici jusqu'à ce que tu donnes pas les 50 000. Vous pensez que c'est la blague? Parce que vous pensez que votre fils fait les blagues quand on est dans la blague? Ah, ok. Non, mais monsieur, non, écoutez. Il faut respecter, monsieur. Non, excusez, monsieur. Excusez-moi. Ce n'est qu'un manque de respect en ce moment vers la famille. Ma fille est ici. On n'est pas là pour faire les blagues. Non. Il est ici. Il a mis la petite enceinte. On demande ce manque la dot. La dot. Il est venu connaître la petite des gens ici là. C'est quoi? C'est ça le problème avec les Haïtiens là. Les Haïtiens n'ont pas compris que, dis donc, qu'il y a des respects, il y a des valeurs, il y a des règlements. Goofy ne peut pas mettre une fille enceinte puisque Goofy n'a pas de couilles. Comment ça? Vous faites les blagues? Il n'a pas de couilles, il peut pas. Vous faites des blagues. Dis donc, moi, écoutez, monsieur, je suis désolé. Responsabilisez-vous à un moment donné. C'est-à-dire que, non, monsieur, excusez-moi, c'est le journée de la fête des pères. On a choisi cette journée spécialement pour vous assurer, pour vous annoncer la nouvelle, parce qu'on allait penser que vous étiez content. Votre enfant qui est ici ne veut pas payer la dot. Nous n'acceptons pas ce genre de. Non, je peux pas laisser mon frère comme ça ici. S'il ne paye pas la dot, il peut pas devenir père. Il ne peut pas. Vous allez donner le virement Interact. Je sais qu'il ne veut pas devenir père. Donnez-moi votre courriel. Donnez-moi votre adresse courriel. Quel courriel? Dis donc, on prend l'adresse de la maison, on arrive à la maison, dis donc. Donnez-moi l'adresse. Tu veux mon adresse, le courriel? Non. Adresse maison, on va aller là-bas. On va débarquer. Oh, mon adresse de maison? Oui. Donnez l'adresse. Quand est-ce que tu vas arriver là? On fout là. Prends note. On va prendre ça tout de suite. On va arriver tout de suite. Dis donc, c'est quoi? Il est quoi? 15h? On va arriver, il n'y a pas de problème. Moi, je dois repartir au pays demain matin. Demain matin, je pars au pays. C'est-à-dire que ce soir, on va trouver le moyen de trouver l'accord qu'il faut que vous signiez même le chèque ou bien quelque chose, un petit dépôt. Ok, mon adresse, 9820. Cinquième, oui. Ok, ça va. Écoutez. Il n'y a absolument rien à tirer. On va couper. Je peux même pas croire que tu n'allais même pas donner un 500$ au moins. Là. On applaudit le papa de con. C'était la petite blagoulette de la fête des pères. Ah, moi j'aurais dit qu'on va appeler mon père pour la fête des pères. Il est généreux, tu vas voir, il va me booster. Non, mais t'as même pas offert même pas 500$. Écoutez, moi tout ce que comment ça t'as même pas offert 500$ au moins?
Écoutez, le papa de Gouf, on vous remercie vraiment. Désolé, c'était une petite blague de la pète de père. Il n'y a pas de. Vous avez dit que vous avez dit que votre fille n'a pas de couilles. C'est ça que j'aurais dit. Il n'a pas de couilles. Hey, je sais pas à quel point t'es proche de ton père, mais écoute, visiblement trop proche. Ton père te surestime. Bon, bye bye, bonne fête des pères, pareil. Bye et merci beaucoup. Bonne fête des pères. Ok, mon frère. Je t'enverrai le lien. Y a pas de problème. Non, non, je suis à radio, là, je t'entends direct, je vais t'envoyer le lien. Passe-moi, Goofy. Non, ben, je peux pas te passer, là, je suis à radio, là, je vais t'envoyer le lien plus tard. Ah, ok, tu es à la radio. Ben ouais, on est en direct, là. Ah, j'étais en direct. Ben ouais. Il savait même pas. Il savait même pas. On est en direct en France, là, en plus. Hey, les gars. Oui. You are the bad guys. Oh non, bonne fête des pères, tonton. Bonne fête des pères, monsieur. Écoutez, bonne fête des pères à vous, ok. Je te rappelle plus tard. Non. Tous les dimanches, 13h Montréal, 19h Paris. Sur Truck Radio. C'est pas une fête congolaise.